Jeudi, c'est lundi 22 juillet. Moi, c'est les amis et c'est un plaisir pour nous capables ensemble avec aujourd'hui pour nous continuer avec études école sabbat que nous avons fait pendant la semaine. M'a rappelé semaine étude lancée numéro 4, les paraboles. Mais aujourd'hui, nous parlons ensemble l'interprétation de la parabole. Bien avant que nous entrions dans la portion d'études pour aujourd'hui, on nous prie. Papa, nous qui placons au dans le ciel, nous remercions pour bon travail miséricorde manifesté dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà des attentes, au-delà des espérances. Nous venons avec même désir là, bon Père, qui s'est continué avec étude parole. Nous demandons que vous aider nous pour que nous soyons capables. Il fait comprendre davantage et mettre en application parole. Merci parce que vous attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que nous consentons jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je vous rappelle, chaque fois que vous étudiez, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager l'étude avec entourage pour faciliter plus de monde. Rivez étudier les leçons école du sabbat. Si vous vous abonnez, vous profitez de faire ça. Et puis encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 4. Et thème, c'est les paraboles. Verset nous gagne pour nous, capable de bien tête nous, c'est Marc chapitre 4, versets 24 et 25. Il leur dit encore: prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'était que ça, moi avec vous, nous gagnons pour nous capables de kembe dans tête nous pendant ce maintenant, qui se marque chapitre 4, versets 24 et 25. Nous avons une possibilité pour nous te voir dans la portion d'étude dimanche là, la parabole du semeur. Nous avons une parabole là te présenter nous. Il y a un semeur, c'est-à-dire un monde qui fait plantation, il sorti pour le faire en semence. Eh bien, l'elle commence à semer. Les semer dans quatre différents, dans quatre types de sol. Ok, premier sol là, de considérer les comme étant le long du chemin. Deuxième catégorie, c'est un sol qui gagne roche. Troisième catégorie, c'est un sol qui gagne épine, on est capable de dire piquant ou bien ragé. Et puis quatrième sol là, c'est un sol qui est bien préparé. Eh bien, c'est bon sol là. Eh bien, bonne terre là. Première catégorie, en parlant de sol qui est considéré le long du chemin, eh bien, semer à les semer. Ça qui passe, eh bien, les oiseaux mangent semence. Il n'y a pas même gain temps, eh bien, pousser les oiseaux manger. Deuxième catégorie, c'est sol qui gain roche là. Et plante là, c'est vrai, et plantation au fait, il a gain semence là. Li rentre nan te, men sa k pase, li pa kapab kontinye viv, pase gen trop wosh nan an doa. Se da di li pa gen nan sol ki profon, li pa gen racine, e ben sole la boule. Se da di li pa kapab nouri, li boule. Troazem kategori ya, se sol ki gen raje ya, sol epi nye ya. Be plant lan, e yo fe ya, seman sa yo fe ya, li rentre nan te, li grandi, men sa k pase, l'étouffer à cause de l'autre agir qui entoure elle. Et quatrième sol là, qui c'est bonne terre là, eh bien, plantation faite, ou bien semence là faite, eh bien, li grandit jusqu'à ce que li rive bay fruit et li bay fruit en abondance. Mais nous te wè parabole là, bay, mais pas une explication qui te bay à propos de parabole là. Eh bien, je vous dis, c'est ça que nous parlons ensemble, l'interprétation de la parabole. Jésus t'est fini avec parabole là sans baba aucune explication immédiate. Selon texte qui c'est Marc chapitre 4 verset 1er, nous voyons Jésus t'est prononcé parabole ça devant une foule, t'est une grande foule qui était là. Mais lorsque il va explication parabole là, Jésus va le bailler avec un petit groupe de monde et bien qui était présent dans le moment. Mais écoutez là, nous pas lire dans Marc chapitre 4 verset 13 à 20. Nous va regarder comment Jésus l'interpréter parabole ça. Parabole semeur là, nous allons regarder comment Jésus lui-même l'interprète. Et bien, nous allons commencer avec lecture nous dans Marc chapitre 4, verset 13, pour venir dans verset 20. Il leur dit encore:
Vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Bon, nous voilà, explication bail à propos de parabole. Jésus interprète la parabole en identifiant les éléments extérieurs à l'histoire qu'un certain nombre de détails représentent. L'interprétation indique que l'histoire est une allégorie libre avec des références au monde réel, car ne contenant pas nécessairement une référence directe pour chaque détail. Jésus identifie ce mensonge comme étant la parole, et ça lui fait référence avec la parole de Dieu en particulier, telle que prêchée par Jésus. Dans Jacques chapitre 1 verset 21, qui ça dit? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver et qui peut sauver vos âmes. Eh bien, ouais, différents solios, c'est différents types d'auditeurs. C'est-à-dire, l'évangile attendait, il y a différents types de monde qui attendait l'évangile. Là. Dans l'interprétation de Jésus, ça veut dire le monde, tout le monde attend des paroles. Là. Ça veut dire que tout type de sol, il y a des graines qui s'aiment là-dedans. Mais, différence en fait, dans l'accueil que vous avez avec parole. Là. Sol, qui c'est le long du chemin, c'est un sol qui dure. Parce qu'il a tout le monde marché. C'est-à-dire, sol, ça, il n'est pas facile. Pour yon plante lever là d'un côté, moun a marché, et bien, l'offre en plantation, là, il n'est pas qu'à lever. Parce que sol l'a dit. Et bien, l'autre a planté, mais l'autre a labouré, ou planté, depuis moun continue à marcher là-dedans, l'a empêché plante la lui-même, les grandit. C'est-à-dire, yon plante pas qu'à grandir dans le chemin. Mais qui s'est passé, dit nous, zoazo yo, et bien, manger semence là. Et bien, qui ça, ça veut dire? Et qui explication que Jésus a avec ça? Et bien, Jésus relie ça avec, yon ensemble de monde qui tendait la parole, qui tendait la vérité, mais yon pas comme même bien assimiler parole là, Satan retire parole là dans yo, moun sa yo, yon pas même getan kwe dans parole là. Deuxième catégorie, c'est sol rocheux. Eh bien, sol ça, li pa gagne sa nouele profondeur. Ok? Sol ça, li pa profond. Ça qui passe, parce que à cause de roche là qui gagne la donne, eh bien, plante là, ou donc on est pour le nourrir, c'est-à-dire, faut que ça ait à travers racine yo, li nourrir, eh bien, sol là tellement gagne roche, racine n'a pas qu'à profond. Eh bien, qui référence avec moun sa? Eh bien, Jésus fait comprendre son série de moun qui t'a de l'évangile là, mais yo gagnon yon engagement superficiel. Yo pa kwè vraiment. Yo pa considéré ça nous le prix du disciple là. Eh bien, sol épineux, c'est sol ça li tout fait graine qui t'est semé. Eh bien, Jésus expliquait que ça représentait moun qui quitte souci la vie richesse dans monde là tout fait parole là nan yo
Mais nous, bonne terre là, il est représenté par si là qui tend des paroles là, qui est ses voiles, et qui parle la grandit dans yo, et qui parle la porte fuit en abondance. Eh bien, explication qui est plus longue là, que nous venons dans la parabole là, l'hypothèse sous sol qui gagne roche là avec sol qui épineux, c'est-à-dire sol qui gagne rager. En décrivant les auditeurs du sol rocheux, Jésus soulignait des éléments contrastés. Moun ki tande parol la, yo considéré comme moun ki tande parol la, tant que semence qui fait dans roche là, ou bien dans sol qui gagne roche là. Eh bien, Jésus dit son série de moun qui tande parol la avec joie. Mais yo c'est des disciples temporaires, yo pas là pour longtemps. Yo tande parol la vrai avec joie, mais yo pas gain persistance. Depuis qu'on dit persécution qui vini à cause de parole là, et bien qui s'est passé, et bien moun sa yo ba avec. Et ça fait yo considérer comme étant et bien des serviteurs, mais des chrétiens superficiels, yo pas engagé yo vraiment. Et l'autre catégorie qui c'est et si là yo et sol épineux, c'est sol qui gagne rager a. Tandis que lui-même lui contraire. Moun sa yo pas tombé à cause de mauvais moments, c'est-à-dire catégorie de moun qui yo considère comme moun comme si rage étouffé par là nan yo. Et bien moun sa yo pas quitté et yo pas tombé à cause des moments difficiles, mais plutôt yo tombé dans un bon moment. Nous connaissons gen moun tout le temps fait pas bon, yo fidèle avec bon Dieu, y a servi bon Dieu fidèlement. Mais quand moment commence bon, yo commence à vivre mieux. Bon Dieu commence à bénir travail yo, bénir activité yo. Et bien moun sa yo vin perdre la foi. Et bien ces catégories de moun sa yo qui considéré comme moun qui parole la tout fin dans yo rage, comme si c'est seulement ce qui fait dans sol épineux, et bien li grandit c'est vrai, mais li tout fait à cause des rage yo. Et bien il fait nous comprendre que c'est bon moment qui rend moun sa yo tomber, mais c'est pas mauvais moment. Parce que moun sa yo concentré yo sur bagay ki nan monde là au lieu de royaume bon Dieu. Et bien souci yo, préoccupation qui gagne autour de yo, et bien fait que yo abandonné la foi, yo oublié bon Dieu. Ça qui le monde li offre, li tout fait parole bon Dieu a nan yo même. C'est-à-dire on pense jodi a au clair sous parabole là. Ouais, plusieurs catégories. Eh bien de moun qui tendait la parole, que moun yo considère comme étant le long du chemin, moun sa yo, eh bien yo seulement tendait des paroles là, yo pas même getan kwe, parole là pas même getan poussé dans yo même, l'ennemi li enlevé parole. Deuxième catégorie a, c'est catégorie eh bien sol qui gen roche là, eh bien yo tendait des paroles là avec joie, mais depuis que yo jwenn ti persécution pour parole là, yo ba vague parce que yo pas getan enraciné. C'est des gens qui engagent de façon superficielle. Et troisième catégorie, c'est si là, eh bien, ils considèrent comme étant un sol épineux, un sol qui est ragé. Eh bien, parole là, et semé dans le cœur, c'est vrai. Mais souci la vie, souci siècle, richesse dans le monde là, tout fait parole là. Et quatrième catégorie, c'est si là, que cœur servi comme étant une bonne terre, côté parole là, il tombe, il grandit et il peut fuir en abondance. Dans le cas de réflexion que nous avons pour journée, considérez votre propre vie. Y a-t-il des caractéristiques du chemin, du sol rocheux ou du sol épineux qui s'insinuent dans votre expérience? Cela pourrait se produire plus subtilement que vous ne le pensez. Quel choix pouvez-vous faire pour changer le cas échéant? Essayez de garder la vie ou pour. Gardez pour. Est-ce que par contre, pas de caractéristiques ça dans la vie? Sol du chemin, du sol, et caractéristiques du sol rocheux et caractéristiques du sol épineux. Gardez pour vous, si bagay ça par l'expérience ou dans parcours ensemble avec mon Dieu. Vous avez pensé ou pas là, et puis là. Et c'est réfléchi pour vous, est-ce que par un souci de la vie, ok, envie faut abandonner bon Dieu, persécution à cause de parole là. Gardez pour vous, est-ce que par un bagay dans tout ça, tout Dieu là, et bien qui est capable empêcher ou continuer faire parcours ensemble avec bon Dieu. Et c'est garder pour eux qui sont capables de faire tout si toutefois tu as gagné ou dans vie pour capable porter un changement nécessaire. Et bien pour que ou capable toujours être
dans la ligne que bon Dieu lui-même lui mettait pour que nous capables de suivre. Je vous ai ensemble l'interprétation de la parabole. Merci de notre Père et notre Dieu pour révéler son parole. Et de nous que jour après jour, nous capables de comprendre davantage et mettre en application. Merci pour l'explication de la parole, sérieux. Permettre que nous capables de mieux saisir la parole, sérieux, et prendre meilleure décision pour la vie éternelle. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Ça vient déjà, M. Tau, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.